Good morning, Aleiden, les soirs aujourd'hui, les Nishmat, Janine, Ruth, Bat Fortune, Mazal Fritna, Léa Chaya, Bat Mazal Tov, Lucienne, Bat Naina, et Claude Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet, Gitin, Perek, Dalet, Mishnah Bet, Barishona, Aya, Ose, Bet Din, Bemakom, Acher, Omevatelo. Itkin Rabban Gamliel, Azaken, Sheloyo, Simken, Mipenetikuna Olam, Barishona, Haya meshane shmo ou shma, shem iro ve shem ira. Itkin Rabban Gamliel, azaken, she yukudvin, she ye kotev, ish ploni ve chol shem she yeshlo, isha plonit ve chol shem she yeshla, mipenei tikun haolam. Première partie de la Mishnah, elle concerne les deux parties de la Mishnah, ça va concerner les tekanot de Rabban Gamliel Azaken. La première partie de la Mishnah, elle est en rapport avec la Mishnah précédente. Le moyen d'annuler un chaliar. J'ai envoyé un chaliar pour divorcer ma femme. Et finalement, une fois qu'il est parti, je regrette, je ne veux plus qu'il soit mon chaliar. Comment je fais pour l'annuler? Mishnah précédente, il fallait nécessairement que j'atteigne soit le chaliar, soit ma femme par moi-même, ou même par un autre chaliar, ça marche aussi, pour intercepter le chaliar avant qu'il soit transmis. À présent, on va voir qu'il y avait initialement un autre moyen que Rabban Gamliel Azaken a annulé. Barishona, dans une première époque, Aya Ose Bet Din, Bemakom Acher, le mari avait la possibilité de faire un Bet Din là où il se trouvait, c'est-à-dire il était en France, il envoyait le chaliar pour annuler, pour en divorcer sa femme. Après 4 jours que le chaliar est parti, il réunit un Bet Din, 3 personnes, 3 Talmid Chachamim, et il leur dit, sachez que Umevatlo, et il annule le guet, il dit, c'est ça que je sais que j'envoie le guet, et je l'annule. Je dévoile, j'exprime devant vous, que je désire annuler mon chali, mon chalachlirut que j'ai fait, et que même s'il donne le guet, il n'y a plus mon consentement, donc c'est plus mon guet. Ok? Seulement quoi? Ça va poser un grave problème, faire une situation pareille. Alors, d'abord, on lit la suite. Itkin Rabban Gamliel Azaken. Rabban Gamliel Azaken a décrété Shelo Yu Osimken, qu'on ne fait pas ainsi, Mipne Tikuna Olam, à cause du bon fonctionnement du monde, si je peux dire. Mipne Tikuna Olam, bien faire des décrets pour bien réparer le monde, ça veut dire faire que le monde tourne bien rond. Imaginez la catastrophe. Un mari, il est à Paris, il envoie un guet à sa femme, qui en restant en Israël. Ça fait déjà 6 mois que le mari n'est plus rentré, puis finalement il décide qu'il va s'installer ici, il ne veut plus rester, repartir voir sa femme, il est fair play, il envoie un guet à sa femme, comme au moins elle pourra elle aussi refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Légitime, quoi la kavod. Après 4 jours qu'il envoie le guet, il décide, non finalement je ne peux pas me repartir en Israël, mais je ne peux plus le faire, comment je vais faire pour rattraper le chaliar? Il a déjà 4 jours d'avance sur moi, il est déjà peut-être à Marseille. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va réunir un bedin, il va annuler le guet. Bon. Mais le chaliar, pendant ce temps-là, qui était à Marseille, après il va prendre le bateau pour arriver je ne sais pas où, et puis après il va se retrouver en Israël, il va donner le guet. La femme, elle va être triste, un petit peu, que son mari lui a envoyé le guet, mais bon, après 3 mois, on va dire, elle se dit, bon allez, ça va, on va pas rester sur une défaite, on va se relever, on va se remarier avec quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, le mari, il a déjà annulé le guet. Elle se remarie avec quelqu'un d'autre. Il y a des enfants qui naissent. C'est des mamzerim, mehudarim. Glat taref, des super mamzerim les pauvres. Jusqu'à que le mari débarque et dit, tu t'es remarié avec quelqu'un d'autre, mais je t'ai annulé le guet. Donc à cause de ça, Rabban Gamliel, il a dit, c'est fini, on n'annule pas un guet par derrière. C'est que tu t'adresses au chaliar ou tu t'adresses à la femme, sinon tu ne peux pas annuler le guet. Si tu le fais comme il rapporte le Barthénora, on le frappe. Celui qui va décider de dévoiler, de faire une messirat moda, ça veut dire de... Je ne sais pas comment ça se dit en bon français, c'est que ce qu'on va exprimer ses intentions. Celui qui va exprimer une intention d'annuler un guet, alors qu'il n'est plus devant le chaliar pour la femme, on le frappe, on ne le laisse pas. D'accord? C'est fin de la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, c'est encore un autre décret qu'il a fait Rabban Gamliel, encore rapport avec les Gitin. Barishona, dans une première étape, dans une première époque, Haya Meshane Shmo Ushma. Il y avait, je traduis d'abord pour m'expliquer un peu mieux. Aya Meshane Shmo Ushma, il changeait son nom et son nom à lui, son nom à elle, Meshem Iro Veshem Ira, et le nom de sa ville, le nom de sa ville à lui, le nom de sa ville à elle.
Et Kin Rabban Gamliel Azaken, il a instauré Rabban Gamliel Azaken, Shaye Kotev qu'il écrive, Ish Ploni Vechol Shem Sheshlo, qui devait écrire telle personne et tous les surnoms qu'il avait, Ish Plonit, Isha Plonit Vechol Shem Sheshla, cette et telle femme, et tous les noms qu'elle a, Mipne Tikkun Haolam, à cause du Tikkun Haolam. De quoi on parle exactement? C'est très simple. C'est fréquent, ça peut exister encore. Vous savez que il y a des surnoms. Des fois les surnoms, des fois des noms différents, des noms de code. C'est fréquent avec les Français qui ont un nom goy et un nom juif. Ils sont en France, on les appelle Claude. Ils arrivent en Israël, on va les appeler, allez, Moshe. Donc, quand ils sont en France, c'est Claude et Claudine. Et quand ils arrivent en Israël, ils s'appellent Moshe et Tzipora. D'accord? Donc c'est, voilà. Et quoi, alors, maintenant, quand on écrit un guet, quel nom il faut écrire? Sur ça, il y avait initialement, ça se passait comme ça. Quand on était en France, eh ben on écrivait Claude a divorcé Claudine. Et lorsqu'on était en Israël, il fallait écrire Moshe a divorcé Tzipora. Seulement, les gens contestaient les guitines et ça posait des plus graves problèmes. On ne savait pas ce que la femme a divorcé, pas divorcé, est-ce que c'était crédible ou pas. Alors, ou plutôt, plus simplement, la femme était réellement divorcée. Mais après, imaginez, Claude, il a divorcé Claudine. Après, ils viennent en Israël. Claudine est en Israël, elle se remarie. Les gens vont dire, mais tu sais, en fait, elle n'a pas divorcé. Ouais, elle n'a pas de guette. Le guette qu'il y a, c'est Claude et Claudine. On ne sait pas c'est qui ces gens-là, nous. Nous, on ne connaît que Moshe et Tzipora. Du coup, les gens ils vont commencer à l'éloigner. Ces enfants, ils vont arriver à l'âge des Jidouchim, il va falloir se marier, personne ne va vouloir s'approcher, ils vont commencer à dire que c'est des mamzerim. Elle a quitté son mari sans recevoir son guet, elle nous sort un papier bidon en nous disant que c'était son guet. Mais en fait, c'est un papier Claude et Claudine, c'est le nom de sa grand-mère et de son grand-père, ça n'a aucun rapport avec eux. Ça. Donc du coup, Rabban Gamliel, pour ne pas qu'on sorte du la'az sur les enfants, du la'az, c'est des ragots sur les enfants, alors il a instauré qu'on devra écrire dans les guitines tous les noms de l'homme. On va écrire Claude, qui s'appelle aussi Moshe en telle ville et tout ça. Et la femme aussi, on va lui dire tous les noms qu'elle a. Comme ça, au moins, quand le guette va sortir, on va être sûr que c'est bien elle et il n'y aura pas de soupçons sur les enfants. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.